Le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui a effectué une visite de travail en Algérie samedi et dimanche dans le cadre d'une tournée dans les pays du Maghreb, était venu avec une liste de Français d'origine algérienne que la France veut expulser vers l'Algérie. Selon des sources concordantes, l'Algérie a refusé cette liste, estimant qu'il ne s'agit pas d'Algériens mais de Français qui sont bel et bien nés en France. Il ne s'agit pas de migrants clandestins, mais de Français dont les parents sont d'origine algérienne ou maghrébine. Ce sont des individus impliqués dans des actes de violence ou de terrorisme, nés en France, mais dont les parents sont d'origine algérienne. La France continue de considérer les Français d'origine algérienne ou maghrébine comme des immigrés et non des Français à part entière. En ce sens, une ministre française a bien qualifié Zinedine Zidane, l'artisan de la consécration de la France en 1998, d'immigré, alors que c'est un Français né en France, dont les parents sont d'origine algérienne.